Sancerre-sur-Mer, bonjour à tous, merci d'être là. Merci pour ce chaleureux accueil, émission exceptionnellement courte, mais qui n'en sera pas moins agréable, avec autant de spectacles, c'est promis, que j'aurai le plaisir de présenter en compagnie de Marie-Ange Nardi. Thierry, bonjour Thierry. Tu exactement. Même pas essoufflé, à peine revenu de la mer, effectivement, émission courte, il a fallu qu'on emploie les grands moyens aujourd'hui. On est allé faire un petit tour avec l'école de plongée ici de mon ami Camille Hierry, l'école des Lecs. On va envoyer un petit sujet tout de suite pour faire voir que ce matin, on est parti en mer avec plein de choses, vous allez voir. Hop, c'est parti. On avait un bateau, on avait des tas de gens exceptionnels, on avait un système que je vais vous décrire un petit peu après pour pouvoir parler sous l'eau. Et on va rentrer dans le domaine du monde du silence avec un professeur absolument fabuleux qui s'appelle Marcel Camillieri qui m'a fait passer mon BE. On prenait le brevet de base pour faire de la plongée. Alors voyez, tout le monde s'est installé ici à bord du bateau. Ici à Saint-Cyr-sur-Mer, il y a quelqu'un de tout à fait étonnant. On va vous lancer tout de suite un magnéto pour aller à sa découverte. Regardez la surprise. Tout à l'heure, je vous parlais d'aller à la découverte des fonds sous-marins de Saint-Cyr-sur-Mer en compagnie d'un spécialiste, Marcel Camillieri, qui nous a promis quelques surprises. Et en termes de surprises, vous allez voir que celle que nous allons découvrir va être de taille sous les ordres de notre chef. Vous êtes issu de l'équipe Cousteau, je crois que ça fait 29 ans que vous pratiquez la peinture sous-marine et vous nous avez réalisé ce matin, pour les besoins de 40 degrés du tour de force, une toile sous l'eau. Oui, d'abord c'est André Labampe, pas monsieur. Mais oui, ça faisait des années que je peignais hors de l'eau depuis l'âge de 10-12 ans, c'est-à-dire ça fait depuis longtemps. Puis j'ai embarqué sur la Calypso en 52 et j'ai découvert un monde qu'on appelle du silence, mais qui n'est pas vraiment silencieux. Il n'est pas vraiment silencieux, oui. Mais c'est petit à petit que les deux techniques, peinture et plongée, se sont mélangées pour arriver en 66, après l'expérience de plongée à saturation pré-continent 3, ouais. À 100 mètres de fond, j'ai découvert qu'il n'y avait que la peinture pour restituer cette ambiance feutrée, bleue, de bleu velouté qu'on voit et que les plongeurs connaissent. Absolument. En tout cas, vous le faites très bien, André Laban. Et ici, voici la réalisation qu'on a eu l'occasion de voir ce matin sous l'eau. Il nous l'a faite pour nous. Je vous propose de la découvrir. Et puis, c'est comme ça qu'on se quitte dans le Tour de Force aujourd'hui, dans le monde du silence, en peinture. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour ce beau voyage sous la mer. Et...